Gagner un pile possibilité là pour gagner un groupe paramilitaire pays la Russie qui débarquait en Haïti. D'après information que New York Times lui-même lui fait partager, alors jeudi dimanche, eh bien, Pâques là, information en ligne là, oui, un groupe paramilitaire pays la Russie gagne possibilité pour débarquer en Haïti. Alors, information, c'est qui s'allie, c'est un document qui sortit directement dans le Pentagone aux États-Unis. Son document qui était serré, un document qui cachait un côté. Donc, document ça, l'arrivée prend la rue. Et le fait que document prend la rue, donc, information là, c'est que le groupe paramilitaire pays, là aussi, ça a gagné forte possibilité pour être capable de débarquer en Haïti, venir porter un coup de main. Comment est le groupe paramilitaire ça, ou bien capable de un groupe mercenaire? Monsieur Sayo, c'est parti garçon petit, d'ailleurs, yo c'est ancien. Soldats l'armée pays la Russie, ils ont habitué à faire de grandes opérations déjà dans divers pays à travers le monde, surtout en Afrique. Donc, d'après information que New York Times lui-même l'a publié, le groupe mercenaire Wagner, que yo gagne habitude là, que qu'on habitué sous champ de bataille, c'est ancien prisonnier que yo y est et ancien soldat l'armée la Russie. Qui gagne une série de marteaux de forgeron et nan meyo. Donc monsieur Sayo yo très très puissant actuellement là, yo a opéré en Ukraine actuellement là, y a baïbourade en Ukraine, même si États-Unis eh bien prend sanction contre yo, mais y a opéré dans le pays Ukraine nan moment côté n'a parlé là. Donc c'est un groupe qui très puissant qui gagne en pile soldats et anciens soldats là-dedans, qui gagne anciens prisonniers tout pays la Russie là-dedans tout qui était dans l'armée. Toutefois, il y a travaillé activement là pour être capable contrecarrer eh bien intérêt américain en Afrique en Afrique, et ceci gagne possibilité là pour être venu en Haïti en banné États-Unis, d'après information, eh bien, qui a circulé. Donc, il y a un gros responsable en dans FBI qui a travaillé pour capable joindre comment faire information ça lui-même, lui prend la rue. Information prend la rue. Il fait connaître que son information sorti directement en dans Pentagone. C'est état-major interarmé Pentagone qui te des documents ça en amène. Document ça li flité, li prend la rue. Donc information c'est groupe paramilitaire ça qui pas écarté possibilité pour une bataille contre gagnio en Haïti. Yo ti information sur groupe Wagner, là nous du groupe Wagner, c'est qui est yo même. Yo yé depuis qu'il est yo a opéré. Donc information que nous rive joindre groupe paramilitaire ou bien groupe mercenaire Wagner, monsieur Sayo, y a opéré depuis dans l'année 2014. Y a opéré depuis dans l'année 2014. Yo en Ukraine, yo kon fè coup de patte en Syrie, dans le pays Soudan, dans le pays Libye, pays tankou République Centrafricaine, pays Venezuela, au Mali, Madagascar avec Mozambique, yo habitué à opérer dans le pays sa yo. N'a parlé de groupe Wagner là. Donc yo a travaillé depuis 2014 et son organisation paramilitaire et ou bien mercenaire russe qui gagne des grands chefs dans tête yo. Et principal chef yo c'est Evgeny Prigojin. Monsieur c'est un ancien soldat dans l'armée la Russie, un ancien rocade dans l'armée la Russie. Gagne tout Outkin Sergey Kim, lui-même tout qui est responsable groupe Wagner, qui c'est un groupe paramilitaire. Monsieur Sayo mène des armes très bien, d'ailleurs très bien formé, il gagne plein d'informations, et c'est ça que fait rapport américain pas danser couler avec groupe Wagner. Yo pensait que une fois yo arrivé en côté, donc c'est eh bien c'est contre américain, oui, et ceci est tellement vrai dans pays Afrique africain yo, nan pile pays côté yo al opérer en Afrique, c'est
des menaces qu'ils ont allé faire contre les intérêts américains. Nous connaissons américains qui tout près pays d'Haïti, ils ont pas gagné intérêt pour insécurité à bannir en Haïti. Ils ont pas d'accord pour insécurité à finir dans pays là. Donc document ça qui prend la ria, ça fait au mal en pile et FBI est déjà enquêté pour connaître comment document ça lui-même lui fait vivre dans la rue côté groupe Wagner. Eh bien, pas écarté possibilité pour venir opérer en Haïti. Donc, si Pentagone gagne information, c'est parce que information lui-même est vraie. Mais qu'on y a, est-ce que c'est des infiltrations qui fait en de Pentagone pour capable faire information à sortir pour groupe Wagner lui-même mettre pied à terre en Haïti? Nous pas connaît parce que nous connaissons une pile infiltration qui capable fait dans quatre dossiers ça yo. Mais l'information, amis, nouvelle lio, c'est que groupe Wagner pas écarté possibilité pour venir bailler bourade, pour venir bailler coup de main dans question insécurité en Haïti. Nous connaît gang yo, et bien y a fait travail. Et si toutefois groupe ça t'a débarqué en Haïti, même si yo t'a venu en cinquantaine ou bien en centaine, li t'a très utile et ne pas bon menti par rapport avec donc détail que nous gagne de monsieur Sayo par rapport à mode opératoire yo, par rapport à façon yo habitué travail, yo habitué tacler une série de pays, yo bataille en pile tout contre des groupes terroristes en Afrique, non pas bon menti, non moins qu'on moi nous t'a joindre une solution avec question gang ça dans pays d'Haïti. Donc en pile là qui t'a frotté mais là il a dit peut-être si ça t'a fait vrai, si on t'arrive vrai, eh bien l'étape très très utile. Mais nous connaît puisque c'est des anti-américains d'ailleurs nous dossier russe que yoyé le groupe Wagner, c'est soldats russes, d'anciens soldats russes qui composent. Nous connaît américains a toujours opposé contre ça, mais de toute façon et si gouvernement ici en table lui-même comme yo c'est tuyul américain quand il va travailler pour intérêt américain parce que c'est américain qui mettait là pour faire ça ou vle, si gouvernement t'a vle, li t'es capable de bailler accès, même Jean-Nicolas Maduro, qu'on bailler accès pour aller Venezuela, même Jean tout, en pile pays en Afrique, qu'on bailler groupe ça accès pour aller opérer. Donc, document prend la rue, New York Times, qui a publié un article sur ça, et nous, dans les médias haïtiens, li qui a circulé, groupe Wagner, pas écarté possibilité pour venir bailler la main forte, venir poter pour radio en Haïti, na bataille contre gang, contre le grand banditisme en Haïti, ce qui serait très utile à tout le peuple haïtien. Il y a des gens qui font croire que groupe mercenaire Wagner, li sous territoire haïtien, li en Haïti, il commence à frapper. Il y a l'autre qui dit non, le poko là, li pral vin ou bien l'idée vin. Ben, dans la vidéo, ça nous permet de comprendre la bagaille. Première question que nous supposons poser tête, non. Qui côté parole ça, sauti les amis? Ben, map dit nous, depuis quelques jours là, il y a un ensemble de documents secrets qui a un rapport avec le département d'État américain, Pentagone, qui sorti. Ce que, pas oublier, nous, dans le contexte de guerre. Guerre, non seulement entre la Russie et l'Ukraine, mais nous, dans le contexte de guerre entre deux puissances, ou bien deux blocs. L'Occident avec la Russie. Ce que, pour Russie, Vladimir Poutine notamment, ça qu'a fait en Ukraine là, c'est face caché iceberg là. Mais en réalité, pour yo, yo dans guerre avec l'Occident, notamment les États-Unis d'Amérique. Et dans guerre ça que y'a fait là, d'après ça, yo même Russie fait comprendre, y'a fait tout ça que yo capable pour que yo gagne. Donc. Il n'y a pas non logique de tirer coup de zame seulement, mais yo a fait également ça que aurait les cyberguerres là. Documents ça a fuité. Pas oublier me dit nous c'est des documents secrets. Des documents secrets aux États-Unis d'Amérique, Pentagone, n'a pas comprendre qui importance que yo américain yo bail ça. Ah mais yo fuité. Il y a des monde qui a posé cette question aujourd'hui, mais comment document ça a fuité? Tellement c'est des documents qui extrêmement importants. C'est pour raison ça que fait autorité américaine, dans le moment où on a parlé là, ils ont déjà annoncé qu'ils lançaient une enquête pour comprendre ce qui passé, pour découvrir en tout cas origine fuite ça. Et les amis, document ça qui fuité, qui dans la rue, qui dans mes rues, dans le moment où on a parlé là,
sous des groupes Telegram, moins ouais a circulé, moins ouais qui s'est abdié. Mais fait en tout cas Rousseau comprend bagaille yo on sait de bagaille mieux parce que dans document ça yo pifolade yo en tout cas document chuité yo c'est des documents qui ont rapport directement entre la Russie, l'Ukraine et les États-Unis d'Amérique. Pas prêt à l'entrer dans les détails qui ça rejoint concernant l'Ukraine, concernant la Russie, concernant et d'autres pays qui ont lien avec, qui ont relations avec les États-Unis d'Amérique, que ils ont dévoilé comme si États-Unis a espionné chef ça yo parmi lesquels nous avons dit autorité dans le pays Corée du Sud, ben documents ont dévoilé que ils ont sous écoute téléphonique américain capté de tout ça que nous avons dit. Nous pas rentrer dans les détails ça, n'a prêté sur ça qui a rapport avec Haïti. Qui côté nous Haïti sorti pour paraître dans document ça et jusqu'à ce que pour ba la parler sur réseaux sociaux yo là. Ben il y a un document yo qui fait comprendre. Alors nous-même le map analyser situation ça, le map analyser document ça, on comprendre que c'est un responsable américain qui a pas suivre groupe Wagner là, qui a suivre toute activité que l'a fait un peu partout dans le monde là, qui font rapport pour supérieur hiérarchique li pour la parler de qui influence groupe ça a gagné dans le moment que l'a parlé là. Eh bien, mesdames et messieurs, et vous avez l'impression que moun sa qui rédige document pour le bail supérieur hiérarchique, ça c'est moins qu'à analyser là, l'a parlé de groupe Wagner là. Il fait comprendre que groupe Wagner ça, son groupe mercenaire que vous connaissez qui très connu actuellement là, la bataille en Ukraine, et vous avez l'impression, ou bien selon tout expert en Ukraine, ce groupe ça bail plus problème. Il y a des problèmes même plus que l'armée régulière russe là. Eh bien, il fait comprendre dans le document que groupe mercenaire ça, qui très connu pour son habileté sur le champ de bataille et surtout pour façon que monsieur ça est cruel, eh bien, groupe ça, son groupe qui très puissante. Et c'est pour raison ça que les États-Unis d'Amérique supposés suivent à la ligne tout ça qu'il a fait. Et on fait comprendre que groupe ça, ils ont influence non seulement en Ukraine, mais partout dans le monde. C'est ça, il sortit dans document ça, côté non Haïti paraît là. Selon ça, qui écrit dans document, on fait comprendre groupe Wagner ça, qui gagne en tête li Prigogine. Mais il y a bataille, il y a fait un pile effort pour étendre influence notamment sur le continent africain. Mais tout un petit peu plus loin, notamment dans Caraïbes là, en Haïti. Objectif yo c'est contrecarrer, mesdames et messieurs, intérêt américain gagné en Afrique et en Haïti également. Et Américains ont fait comprendre que monsieur dit yo vle vin en Haïti parce que États-Unis et Haïti li trouvé en banné États-Unis là etc etc et si yo là qu'il y a des bagailles qui capable fait. Et selon sa document fait connaître monsieur ta même l'idée proposer à gouvernement haïtien yon aide pour venir goumer avec gang dans pays d'Haïti, ça permettre que yon pile sol là. Mesdames et messieurs, mais qui ça qui sorti dans document côté non Haïti mentionné à. Donc une fois que me dit ça et avant que me rentrer dans d'autres détails, vinn fait d'autres commentaires, m'a dit non d'emblée ou m'être envoyé jeter toute parole cap dit sur les réseaux qui fait quoi que groupe Wagner ligetan à tel qui est en sous-sol pays d'Haïti là. Non, pas qui font moun kap di ça. Parce que un, si groupe Wagner ta en Haïti, nous tout tap comme ça, nous tap ouel, il tap visible. OK?
l'étape visible. Deuxième bagaille pour nous comprendre, c'est que jodi a là, le plus facile pour Prigojine voyer des mercenaires dans des pays en Afrique que lui voyer des mercenaires dans le pays d'Haïti. Est-ce que nous bien comprenons ça, là? Le plus facile pour que Russie intervenu dans des pays en Afrique que Russie intervenu en Haïti, genre que lié là. Géostratégiquement, vous avez fait une erreur monumentale si vous comprenez que ça y a fait dans le pays Malia, vous êtes capable de venir faire dans le pays d'Haïti. Parce que c'est deux terrains complètement différents. C'est une réalité tout à fait différente. Parce que l'on prend des pays en Afrique, en Mali par exemple, je dis à la Russie, c'est comme si Mdadou, dans le pays Mali, yo la caillou. Pour qui raison? Mali, tu connais une période politique terrible avec un versement de pouvoir. Tu es là, je dis à la. C'est un militaire qui n'en tête à PIA avec un commandant Assimi Goïta. Et depuis après coup d'état, ça, depuis après M. Saorfin prend pouvoir, il y a un discours anti-américain qui a véhiculé, il y a un discours anti-français qui a véhiculé. En tout cas, il y a rejeté en relation que tu as gagné avec des pays occidentaux parce que on dit relation sale pas utile pratiquement en merde. Et donc mesdames et messieurs dans le pays Mali Negio recevoir Russo à Cabra ouvert. L'année dernière, on était une grosse cérémonie était faite côté Mali t'a recevoir des équipements militaires qui sortis dans le pays là aussi. Il y a des visites qui faites. On prend nèg à visiter et Vladimir Poutine à rencontrer Vladimir Poutine ministre affaires étrangères russe l'a déplacé là sur continent là sur continent africain à rencontrer un série de leaders de l'autre bord là. Ça veut dire bon relation qui a développé là entre les pays africains et la Russie et c'est pas pour sans raison. Conseil de sécurité des Nations Unies, le gain des votes qu'a fait pour condamner la Russie en pile dans le pays ça yo, yo abstenu. C'est parce que tout simplement on dit ancienne relation ou bien relation que nous avons avec des occidentaux jusque là ou pas utile non rien et façon que occidentaux comportent avec nous une impression que nous avons relation avec la puissance impérialiste qui a imposé dans ce lieu qui pas utile loin et vrai nous a changé fusil d'épaule nous pral garder pour nous voir est-ce que non mais la Russie est capable de bénéficier quelque chose et actuellement les pays occidentaux en tout cas ont perdu pied sur le continent africain notamment la France par exemple dans le pays Mali et gon discours qu'a véhiculé sur le continent africain écoutez c'est affaire américaine affaire France quête en plus monde qui va entendre parler de base comme ça donc situation ça il jouait en faveur oui sur le continent africain est-ce que c'est même réalité avec Haïti. Non. Je dis à la dans le pays Mali. Monsieur qui sous pouvoir, Assimi Goïta, rebelle ça. Il ne peut pas permettre, par exemple, que Américains rentrent sous territoire malien, viennent arrêter un mercenaire Wagner qui a travaillé l'autre bois là, qui a fonctionné l'autre bois là, et puis pour extrader vers les États-Unis pour y aller juger. Non. Au moins, Russie a une assurance ça. Et pas quoi Russie imbécile assez comme si après que un pile pays de l'Occident fin légiféré, ils qualifient groupe ça donc groupe terroriste et que c'est comme si Mdadou dit à la mandat de tout nexa tout en tout cas même Prigojine et comme si yo pral pote tête yo vinn là dans pays d'Haïti qui par l'autre bagaille on barrière libre on pack pour les États-Unis d'Amérique à
Américain entré dans le pays d'Haïti, Jean-Que Yovle, il prend Mounge, etc., etc. Donc, même si le document a fuité, mais c'est pas pour d'où, c'est peut-être un fonctionnaire américain qui a baillé point de vue sur Wagner, qui a parlé de l'influence que Wagner a gagné. Et probablement, il y a connu des mounes sur les réseaux sociaux qui ont demandé pour Wagner entrer dans le pays d'Haïti. Peut-être, c'est des bagailles que vous prenez en compte pour vous mettre dans le rapport. Yo. Mais c'est pas comme si Mdadou sont en réalité. Parce que gens comme Dinoa, côté Wagner, côté Russie, capable de déployer en Afrique, c'est la difficile pour venir déployer Zelio comme ça là, dans le pays d'Haïti. Parce que, encore une fois, stratégiquement, ce n'est pas bon pour eux. Parce que, qu'on veut, qu'on parle, les gens qui dirigent le pays d'Haïti, ils sont bien restés avec eux. C'est tout le monde américain que eux. Hein? Les États-Unis d'Amérique fait ça que les dans le pays d'Haïti n'ont pas rencontré qu'on a parlé là. Donc, il faut que nous comprenions. Wagner a débarqué dans le pays d'Haïti là, avec les États-Unis, après entrer, au bon matin, il prend tout le monde, et puis, à la route aux États-Unis d'Amérique, à le juger, parce que déjà, ils ont qualifié le terroriste. On me dit là, en apparence, je suis capable de dire que ah, c'est facile, on dit. Si Wagner vient là dans le pays d'Haïti, il ne peut pas venir comme ça, mais non. Mais les États-Unis, lui-même, il n'a pas grand yeux dans le pays d'Haïti. Comme si vous pensez, comme si Wagner pourrait venir là, débarquer dans le pays d'Haïti pour débarquer. Non seulement, il faut qu'il y ait un matériel tout. Même si, dans le pays d'Haïti, il y a un conseil de matériel militaire à débarquer là. Il n'a pas bien temps soumis, il n'a pas bien temps réagir. Alors, c'est une façon pour me dire. Tout ça qu'on dit sur les réseaux sociaux avec sa réalité a probablement un monde de différence. Ok? Un monde de différence. Wagner, Prigozhin, Pape Jam. On joue comme ça là, un bon matin, levé, il dit, on va aller dans le pays d'Haïti. Non. Non. Parce que pour yon vin là, il faut qu'au moins tu aies une assurance. Au moins déjà faut que tu aies l'état haïtien exister et faut que tu aies assurance de moun qui sous pouvoir comme quoi moun ça c'est des moun en tout cas que là aussi gen des plateaux mais c'est pas le cas OK c'est pas le cas les amis. Donc, nous avons toujours rêvé que Wagner va venir dans le pays d'Haïti là non nous avons toujours rêvé. Pas dit impossible, non. Mais il est extrêmement difficile pour que nous joignions des mercenaires russes pour débarquer là dans le pays d'Haïti et gens que en pile monde qui est à Abdil sur les réseaux sociaux. Ok? Donc c'est ça que nous avons dit sous question ça. Parce que entre ça qu'a dit avec sa cafette, gens comme dit nous, je dis à la, j'en monde ça a tourné là. Il y a pile bagaille que nous pas besoin moi. OK? Il y a pile bagaille que nous pas besoin moi. Et c'est là. Le bagaille OK, donc pas pas une relation directe avec personne monde dans pays à question de femme là. La même chose c'est que d'état moi et moi dans le système c'est pour me servir d'état. Pas pour me servir un citoyen, nous individu. Parce que pays là. Mais où ça n'a pas aucune relation avec une personne là. Et commissaire, moi gagné un message que un auditeur partagé avec moi sur WhatsApp qui t'a envoyé bon moi 4 ordres de libération côté sien by pour te libérer 3 monde selon information monde ça partagé avec moi ça et monde ça au libéré yota participer dans la mort frite un certain frite Gérald que ou te bay ordre libération pou yo et moun nan fait konnen tout que ou ta signé ordre libération bay yon série avocat. Est-ce que ou ka infirmer ou bien confirmer information ça? Et je vais parler avec mon lien peut m'pa konn dire ça parler qui veut dire li là. Moun ou ta libéré mais moun sa yo ta et participer nan assassinat un certain Frédéric Gérald. Et bon, faut me donner le numéro de dossier, faut rester bon. Faut me donner le numéro de dossier, faut me connaître. Et pas que pas me laisser bien plus de dossier là-dedans. Et pas mal, si vous dites que vous délibérez, mon âme, et ce qui passe que vous délibérez. Est-ce que c'est me lever ou du moins la police a arrêté, je vous ai dit pas moi, moi délibérez. Ou quelque soit, je ne sais pas pourquoi dire ça.
pour m'arrêter, on explique pas que charge contre là, m'gade vous libérer là, c'est pas que charge pour lui. Mais depuis que charge jusqu'à libérer. Sinon m'bada pas encore. M'bada même foncer même ni aguan. C'est jusqu'à être connait entrer. Mais j'ai dit la ça yo. Informez pour moi, tout avocat dans pays là. OK, tout avocat ni aguan, tout avocat au couteau, j'ai dit c'était me passer yo. Jusqu'à dès pas qu'on crase dossier avocat, muscadin pas qu'on passe avocat derrière pour prendre devant. Muscadin pas la foi, juge parti. Informez. Le tout baou yo. Le débat au mien qu'on a actuellement là. Ok? Très bon, c'est le commissaire Muscadin. Muscadin, dans l'équipe pour nous apprendre tout le monde qui est derrière vous, c'est pas c'est un policier. Oui. Donc, si c'est le cas, sous qui base ou recruter de monde qui porte des armes qui est derrière, qui n'est pas policier? Ça, c'est à prouver. On est une église qui n'est pas policier. Pour chaque semaine, nous avons un commissariat qui est dans le projet. Tout le monde qui est dans la police, c'est le meilleur. Ok? Ça, c'est à prouver. Nous sommes capables de vous dire. On est capable de tout dire. Mais ça me paraît pour nous qui dit ça là. Hein? J'ai la police comme toute politique avec moi. J'ai la police comme toute politique avec moi. D'ailleurs, deux mondes qui vont me soumettre. C'est à qui j'ai me soumettre. Je vais brûler le bas personnel. Pour le policier, je vais pour le transférer de Niagouane. De Niagouane, pour nous apporter ça au service. Muscadin, nous t'ai parlé tout à l'heure de support et famille par rapport à travail ça va faire là. Mais ma vie mando, au niveau pire niveau l'État, qui backup, qui support ou joigne de responsables bio, qui encouragement yo ba ou. M'capte je nous encouragement moral beaucoup nèg yo. L'État, mais sauf que m'pa konn si l'État est moyen va gagner. Mais Mbappé Drou, c'est diaspora qui était le campé pour Miragouane à département de plan, et déjà on dit là. Parce que vous machine pour mettre gaz, vous changez caoutchouc, et vous faites service de machine là, et tout le monde connaît pas trop la plainte, trois sujets, et trois gallons casserole, vous changez bouche, vous changez bouche dans la balle, vous connaissez pas de route dans le pays là, pour faire service de patrouille là, sous ta boule dans la maison, vous garantissez que vous avez plus de 2 000 dollars américains. Mais comment ça donne, c'est là que nous faisons nous-mêmes, service ça, nous faisons, nous faisons service général. Et chaque fois qu'on a fait service, nous faisons un bel moyen. Donc si tu prends diaspora, ou tu restes parfois, on ne doit pas venir dire au diaspora, ou puis aller checker, ou n'est-ce pas, mon cher, je veux dire là, c'est l'état qui est arrivé, qui est capable de faire vous. Mais l'état, ça peut passer, par contre, oui, nous avons le bon moins, donc nous avons un caoutchouc, ni un rien bon moins pour la machine. Et qu'est-ce que comme c'est le gouvernement de la vie, je quoi? L'État gagne et m'a pas de machine. Parce que comme c'est le gouvernement, la majorité là, elle veut à dire. Donc, si vous n'avez pas de crasse, vous n'avez pas de crasse, c'est grâce à ce pour là. Je vais incriminer le gouvernement, non? Je vais incriminer le gouvernement, ni incriminer l'État. Parce que c'est pas seul nous-mêmes. Il y a plus de que de la vie avec la machine. En plus, l'autre encore machine n'a pas de crasse. C'est ça le sujet. Donc, c'est l'État. Et je vais bon, soit moi témoin ou du moins c'est pas connu. On pas vraiment joindre et backup autorité au dans niveau ça et on dit c'est diaspora qui probablement aidé et nous est sur internet là gagné journaliste Teriel Telus qui lui-même lancé là Santa Rele un véritable marathon pour ta aidé joindre. Alors, il y a des parquets, hein, joindre et deux machines blindées pour capable faire travail là. Vous êtes au courant de ça? Oui, moi, je suis au courant de ça. Moi, je suis au courant de ça et il y a une initiative sur la CTT même qui prend ligne pour que, pour faciliter le commissaire Muscadin travail dans la suite joindre. D'ailleurs, comme je disais, parce que la carte de plein d'un pays, moi-même, moi, je suis connecté avec vous parce que moi, je suis de moi. Parce que quand on a fait un pays, soit on entend la radio, soit on voit dans la télévision, sous téléphone, on ne voit rien par rapport à ça. Et pas là plus que ça. Je veux dire là, chaque province, même si on est journaliste, on ne connaît pas. Chaque pays, même si on est journaliste, on ne connaît pas. Quand on a un projet, on ne connaît pas qu'il passe dans le pays. Attendez, il y a un projet qui passe dans le pays, il va être chargé. Il faut me dire, population. Ne quittez chez Galil là, ne quittez M4 là dans là, ne quittez 65 là dans là. Quand kidnappez Mounio, c'est pas des piégés dans la société là.
L'équipe qui est dans ce jeu, qui est sérieux. C'est mon ouvre qui est devant la joie. Toi qui as bonne bagarre glacée. Ou tu moins qui as bonne fresco. Ou tu moins qui est une boutique. Ou tu moins qui a pout. C'est mon sérieux qui est dans ça. Parce que l'autre qui est dans ça, ou je viens de sur le téléphone négra. Ou je viens de message et arrête à mourir par un vagabond. L'homme de la quittance, c'est comme activité. L'hydro consacré et l'hydro qui est gazeuse, dit qu'on oui, on va une gazeuse et enfin. Le regard des nègres ou sentir les nègres, on est qui parle. Parce que je ne vais pas cacher tout. Les nègres, ils vont être assassinés. Et puis, je vais faire des machines, je vais faire un tout, pas à l'aise. Parce que vous avez tout. J'ai pris sentiment. L'homme de la pouvoir de téléphone. Ou prenez votre téléphone avec ça. Ou allez dans l'appel WhatsApp. Ou j'ai un dernier appel WhatsApp. Ou entrez ou il y a un message. Dernier appel WhatsApp là. Ou appelez une voice. N'est-ce pas pour y avoir un vacabon. C'est pas qu'à te charger. C'est ça le but.